Quand on nous a envoyé en stage ici, on nous a dit que on doit prendre tout le monde au sérieux. Et nous, on t'a pris au sérieux. Vraiment, tu es une bonne personne. On te remercie pour ce que tu as fait pour nous. On te remercie avec le cœur. Merci beaucoup, papa. Avec tout. Tu nous as aidé avec amour. Tu as été là pour nous. Vraiment, on ne sait pas. On ne sait même pas. Si tu n'étais pas là, tu nous as appris certaines choses. Par exemple, sur le paludisme, que maintenant, ça m'a poussé même à aller lire le petit bouquin. Tonton JP, grand merci. Mille fois, et merci. Merci beaucoup. On espère que dans l'avenir, vous allez parler pour vous. Non? On espère que dans l'avenir. C'est vrai, on espère. Bon appétit. On espère que dans l'avenir, on aura le temps, on aura les moments. Non, on ne savait vraiment pas. Et en plus, tonton JP, on n'a pas. Au début, on était crispé, on était frustré, mais. Avec les gens comme toi, on s'est senti chez nous. Donc, on te remercie vraiment, c'est ça. Avec les gens comme toi, on s'est senti chez nous. Je suis un parent. On s'est senti vraiment chez nous. Au point où il y a les moments où même. Parce que les premiers jours, quand ils sont arrivés, tu venais chaque jour. Les deux premiers jours, le troisième jour, quand je n'ai plus venu, on a ressenti ton absence. Ça veut dire que le tonton qui était là. Donc franchement, tonton JP, grand merci, que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu nous as donné, pour tout ce que tu nous as apporté durant notre séjour, que ce soit en conseil, que ce soit dans le travail. Franchement, dans tout. Mille fois merci. Merci beaucoup. Bon là, on se prépare demain. Oui. On pense qu'on va quitter d'ici 9h. Oui, il faut vraiment prêter pour ne pas oublier quelque chose. Non, je pense que je vois. Faites vraiment beaucoup d'efforts. On va plus oublier, Faites beaucoup d'efforts. Impossible. On va plus oublier quelque chose. On va tout faire pour. Mais mes chaussures là, on va voir. Ça, tu n'as pas perdu les chaussures, écoute. Tu avais fait comment même pour perdre tes chaussures? Essaye. Tu avais perdu ça, je t'ai rendu compte que tu avais perdu ça. En principe, il faut bien commencer à faire les sacs. Oui, c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Là. Tous les sacs. Les assiettes et tout ça là, et tout ça là. Oui, on va commencer à monter, c'est bien tout à l'heure. Est-ce que vous allez encore préparer le matin, non?